Ouais, de la Play-Doh. Pétris-la. Forme un corps de caméléon. Affine et détaille. Ajoute des yeux. Teinte les écailles. Les bébés caméléons sont très agiles. La maman caméléon n'arrive pas à trouver une position confortable. Elle n'arrête pas de bouger. Tu vas bien? Je peux t'aider? Je me sens bizarre. Tu veux boire ou manger quelque chose? Tiens, prends ça. Je veux rien. Pascal alla chercher réponse. Tu m'as appelé? Il faut l'emmener à l'hôpital. Docteur, sauve-la. On va t'ausculter. Je vois, elle est enceinte. Yes. Tout va bien se passer. Des petits caméléons sont nés. La maman caméléon ne pouvait être plus heureuse. Flynn, vérifie s'ils vont bien. C'est les patients les plus originaux que j'ai. Ils ressemblent pas vraiment à Flynn. On va inviter une nouvelle poupée à l'atelier. Maximus a apporté du tissu. Bon garçon. Détourne le motif. Découpe-le. On a une chemise. Enfile-la. Wow. Découpe un pantalon. Et voilà, parfait. Yeah. On a un nouveau tissu pour faire un gilet. Ce castor est couturier? Waouh, merci! C'est un super style. Choisis des accessoires. Ajoute une sacoche. Des bottes confortables. Un bonnet de perruque. Des cheveux bruns. Il porte la barbe. Regarde notre héros. Flynn, est-ce que ça va? Il est fasciné par la beauté de réponse. Tout va bien, je vais y aller. Bye bye! Quels adorables petits animaux! C'est vrai! Les bébés ont besoin de manger. Les caméléons se mirent à grignoter. Un bébé grimpa même sur la tête de Flynn. Oh oh! Oups! Je vais te nettoyer, désolée. Merci. T'as besoin d'un transport? Je vais appeler un taxi. C'est Maximus! Ramène Réponse et les caméléons chez eux, s'il te plaît. Compris, on y va! Bye! La famille prit alors le chemin vers la maison. Du chocolat! Casse les carreaux. Fais-les fondre au-dessus d'une bougie. Verse le chocolat dans le moule. Étale-le bien. Mignon ce cœur! Il a durci maintenant. Emballe-le dans du papier craft. Décore-le avec de l'or. Waouh! Une bague! Noue un cordon. Ajoute de la verdure et des fleurs. Colore l'emballage. Les coins sont en cœur comme c'est mignon! Flynn a repris le travail. J'arrive pas à me sortir cette charmante princesse de la tête. Et si je lui faisais un gâteau? Il me faut du lait. Une tasse de farine. Je fouette. Bon, ça ira comme ça. Tout le monde aime le chocolat, non? Je le fais fondre. Je le verse dans un moule. Et voilà! Direction le congélateur. Super, il a durci. Des cœurs et des fleurs ont séché maintenant. Yes. Parfait. So beautiful. Oh, oh, oh! Réponse se détend dans un parc. Bonjour ma belle, je suis contente de te voir. Yeah. Moi aussi. J'ai un cadeau pour toi. Oh, comme c'est mignon, du chocolat?
retourne la tablette. Yeah. Oh, une bague! Veux-tu devenir ma femme? Oh oui! Maintenant, je peux manger le chocolat. Quelle merveilleuse journée! Prends du polystyrène. On va avoir besoin d'un rectangle. Fais un trou au milieu. Découpe du plastique transparent. Assemble le tout. Couvre le dessus. Ajoute des couleurs. Peins des motifs. Mets des galets au fond. Installe la flore. Ajoute des parois transparentes. On a maintenant un terrarium luxueux. Flynn attend réponse à la maison. Les caméléons, c'est vraiment des fripons. Ça va pas le faire. Allô, l'animalerie? J'ai besoin d'un terrarium. Oh, ma tarte! Hourra, c'est arrivé! Les caméléons sont très intrigués par le colis. Venez les enfants, bienvenue chez vous! Waouh, chérie, une nouvelle maison! Qu'est-ce que c'est? Les caméléons ont maintenant un endroit où vivre. J'adore, Flynn, c'est un super achat! Réponse se prépare pour son mariage. Il me faut une tenue. Du tulle fera l'affaire. Serre les bords. On va passer à l'essayage. Quel beau tissu! Assemble le tout pour faire une jupe. Voyons voir. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, elle est incroyable! Ajoute des touches de couleur. Un lassage. Une couronne de feuilles à la place d'un diadème. Maintenant des fleurs. Magnifique! N'oublie pas le bouquet! Cette tenue est parfaite. C'est enfin le jour J. Je suis arrivée à temps. Où est la mariée? Elle va bientôt arriver. Me voilà! T'es venue, chérie! Une grand-mère se cachait sous le voile. Ah, mais t'es qui, toi? Maximus était en colère. C'est une blague? C'est réponse, elle est juste plus âgée. Viens ici, mon chéri. Au secours! Maximus, trouve ma réponse! Son fidèle cheval amena la vraie mariée. On dirait que tout le monde m'attendait. Maximus n'apprécie pas les plaisanteries de Gothel. Je ne reviendrai pas ici. Un cheval en guise de prêtre? Eh bien, tout est possible. Notre couple est heureux. Maintenant, ils resteront ensemble pour toujours. On va jeter un coup d'œil à ce coffre. Détour les patrons. Coup les bords. Forme un nœud. Ajoute une pince à cheveux. Colore les bords. Crée une boîte. Un peu de paille. Un nœud et deux paires d'épingles à cheveux. Ajoute un soleil sur le couvercle. On a un kit d'épingles à cheveux pour tous les goûts. On va jeter un coup d'œil à la boutique de Mère Gothel. Ah, c'est pas une bonne journée, y'a rien qui va! Les légumes pourris n'ont pas leur place ici. Hé, hey, il a bien joué! Pour qui tu te prends, toi? Hey! Et ce vilain oiseau a décidé de manger mon pain. Va-t'en! J'ai besoin de fruits et de légumes frais. Et de pain aussi. Y a pas beaucoup de choix. Prends ce qui reste. Réponse ne remarqua rien du tout. Sa belle-mère était furieuse. Toutes les caisses étaient pleines. Réponse! Oh! La princesse rentra chez elle. Je vais me coiffer les cheveux. Quoi? Mes cheveux sont pas un potager? Je dois arranger ça. Oh, j'ai de belles pinces à cheveux. Je vais les tresser maintenant. Et je vais accrocher les pinces.
Waouh, c'est trop beau! Et il n'y a plus de légumes! Des enfants se sont cachés dans une fleur. On va emmener ce bébé chez Lalilou. Teint ses cheveux en blond. Elle a tout de sa maman. Ses yeux sont verts. Mets-lui un body violet. Dessine un soleil. Oh, quel beau bébé! Des jumelles? Des triplés? La princesse va avoir des enfants? Réponse et Flynn font de l'équitation. Arrête, s'il te plaît, je me sens pas bien. Laisse-moi t'aider. Maximus comprit tout de suite ce qui se passait. Réponse est en train d'accoucher. Qu'est-ce que je dois faire? Trois bébés sont nés. La famille retourna au château. Ah, on est enfin à la maison! Les enfants furent immédiatement attirés par le terrarium. Les caméléons ont maintenant de nouveaux amis. Oh, ces petites filoutes alors! Prends un pinceau. L'étui nous sera utile. Ponce le bord. Bouche le fond avec de la colle chaude. Peins-le en jaune. On a plein de peaux. Des bonbons multicolores. Coupe le blister. Fais-en des couvercles colorés. Range-les dans une boîte. Les enfants ne risquent pas de s'ennuyer avec ce super kit de Play-Doh. Les bébés se sont amusés avec tous les jouets de la maison. Je m'ennuie! Trop nul ces cubes! Encore du trampoline, hein? Maman! Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien pour jouer. Je vais vous trouver quelque chose. Pourquoi pas de la Play-Doh? On peut faire tout ce qu'on veut avec! Les enfants firent une fleur tous ensemble. Oh là là, mais quel bazar! Maman est fâchée. On va lui offrir une fleur. Waouh! Comment je pourrais être en colère contre des filles aussi talentueuses? Des boules de polystyrène. Des blocs de polystyrène. Assemble le tout. Ajoute des touches de pastel jaune. Vieillis-le légèrement. On va t'emprunter cette mousse. Enveloppe-la dans du tissu. Installe le dossier et le siège. Découpe un soleil. Un plaid est posé sur le côté. Ce canapé confortable sera parfait dans un salon. Réponse et Flynn se sont rendus dans un magasin de meubles. On a décidé d'acheter de nouveaux meubles. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Regardez ces nouveaux modèles. Vous en pensez quoi? J'aime pas la couleur. D'accord, et ce modèle-là? Le couple s'assit. C'est trop petit pour eux. Je vais tomber! Hé, tu trouves ça drôle? Vous allez sûrement aimer celui-ci. Yes! Waouh, c'est parfait! Magnifique! Doux et confortable. Good. Soudain, les cheveux de la princesse se prirent dans l'accoudoir. Flynn, aide-moi! Please. Bouge pas. Attendez, je vais demander de l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de les souffler. Yeah. Ça marche pas. On va devoir scier une partie de l'accoudoir. C'est bon. Ah, je suis libérée. J'étais inquiet. Ce canapé est fichu. Vous allez devoir l'acheter. Flynn et Réponse ne sont pas fâchés. Ils adorent ce modèle. Flynn emporta le canapé avec sa femme dessus. Scier des canapés, c'est vachement drôle. Je vais tout scier à partir de maintenant. L'employé n'hésita pas à le chasser. On doit se débarrasser de lui tout de suite. Mère Gothel nous a apporté du papier. Sa magie a rendu le rouleau énorme.
snap. Et la tour a une terrasse d'observation maintenant. Voilà une porte. Peint des briques. Qu'est-ce que je devrais ajouter d'autre? C'est vrai, j'ai failli oublier le toit. Mergotel a fait du bon travail. La tour est couverte de lierre. La tour a l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. L'oiseau est venu au bord de la fenêtre pour voir sa meilleure copine. Oh, j'aimerais tellement explorer les horizons. Je vais prendre de la hauteur. Un pied ici, un autre là. Oui, ça a marché. Mergotel rentrait plus tôt et prit réponse en flagrant délit. Hé, réponse, mais qu'est-ce que tu fais? Oups, je voulais juste voir le lever du soleil. Idiote, le soleil se lève le matin. Mergotel trouvait toujours les acrobaties de réponse si mignonnes. On va retourner dans la tour. LOL Little Sister se transforme en réponse. On va la changer dans une tenue lila. Comment elle fait pour avoir les cheveux aussi longs? C'est vraiment magique! Et voici Pascal le caméléon. Le meilleur copain de réponse. Oh, Pascal s'ennuie! Amusez-vous les enfants! Ces deux-là sont inséparables. Ils rigolent toujours bien ensemble. Mais Réponse cherche encore les ennuis. Elle grimpe sur la table. Attention! C'est bon! La cible est proche. Un délicieux croissant au chocolat. T'as faim? On va boire du lait chaud. Et voilà, bien joué! Tu pourras manger autant de desserts que tu veux quand tu seras plus grande. On aura besoin de ces éléments pour faire un mobile. Décore un anneau en fil de fer avec de la verdure et des fleurs. Accroche des perles multicolores sur une ligne de pêche. Maintenant, dormir sera encore plus magique. Gothel borde réponse, mais elle est agitée. Oh, ma tête va exploser! Il faut qu'on trouve un truc. Je sais! J'ai acheté un mobile pour une bonne raison. Alors, on va s'en servir. Réponse se mit à le regarder. Les figurines volantes l'aidèrent à s'endormir. Et elle fit de très beaux rêves. Une nouvelle poupée LOL signifie que notre petite fille a grandi. Des cheveux blonds, des yeux verts curieux avec des reflets blancs et un body de sa couleur préférée. Choisis des rubans. Réponse a plongé dans la boîte. Celui-là, bien sûr. Fais-en une jupe bouffante. Attache-la avec une ceinture scintillante et ajoute des manches légères. La marraine la fée a fait tournoyer ses ailes. Et Réponse récupéra ses magnifiques cheveux blonds. Waouh! Mes cheveux sont encore plus longs qu'avant! Mergotel aime vraiment beaucoup sa fille. Reste ici, je dois m'absenter un petit moment. Réponse ne perdit pas de temps. Elle commença à fouiller les tiroirs et trouva enfin ce qu'elle cherchait. Une clé! Le balcon, j'arrive! Maintenant, elle peut facilement descendre de la tour sur ses cheveux. J'adore cet endroit! Elle était allongée sur l'herbe en profitant du soleil. C'est si marrant d'être à l'extérieur! Des créatures magiques se reposent même dans le jardin. Le tigre lécha même les mains de Réponse. La princesse est devenue copine avec tous les animaux du coin. Réponse! C'est qui cette petite fugueuse? On va rentrer à la maison. Oups, on m'a capté! Réponse à un nouveau hobby, le dessin. Elle peint ses rêves sur une feuille. Et peu après, elle continua sur les meubles. Oh, j'ai élevé une fille si créative! Bon travail! Comment pourrais-je développer son talent? Fabrique un chevalet. On aura besoin de brochettes en bois pour les pieds et l'étagère. Colle le tout ensemble. Maintenant, place à l'imagination. On triche pas! Surprise! Waouh, maman, c'est pour moi? Cool! Elle prit ses pinceaux, s'assied devant le chevalet et se mit à peindre. La jeune artiste peint un portrait de Pascal. C'est magnifique! La poupée a changé de look. Aujourd'hui, elle va se transformer en une réponse ado. C'est vraiment original! Oh, personne n'a de cheveux comme ça! Maintenant, on va mettre un t-shirt blanc avec un dessin de caméléon.
ajoute un short. Mais une salopette en jean, c'est encore mieux. Carrément! Les ados adorent faire des expériences. Même réponse à décider d'avoir des mèches colorées. Ajoute des anneaux fins dans ses tresses. Maintenant, elle est branchée. Yes! Réponse veut changer de look. D'abord, je vais teindre mes cheveux d'une couleur vive. J'ai trop hâte de voir le résultat. Waouh, cool! Wow, oui! Mais cette robe... Maintenant, elle va plus avec mon look. La princesse se fit une nouvelle tenue elle-même. Un peu d'effort et une tenue stylée en jean était prête. Je suis trop contente! Pascal, regarde comme c'est cool! Oh maman, regarde comme je suis belle! Waouh, toutes ces couleurs! C'est le moment idéal pour faire des expériences. Je me rappelle que j'avais aussi des cheveux de toutes les couleurs à ton âge. Fais un dossier avec du papier à motif. Du ruban coloré a été plié en accordéon. Insère-le sur les côtés. Des feuilles blanches peuvent aller à l'intérieur. Joins une paille avec du scotch coloré pour en faire de minuscules rouleaux pour poupées. Réponse a plein de morceaux sur elle. Hihi! Raccourcis les cure-dents. Chaque morceau a sa propre couleur. Les crayons sont prêts. Ce kit de papeterie va l'aider à dessiner. Réponse suit un cours en ligne pour princesse. Étudier en ligne, c'est tellement ennuyeux. Au lieu de se concentrer sur ses cours, elle a décidé de s'amuser un peu. La princesse roule sur sa chaise, sautille dans la pièce et se fait des cheveux et des sourcils avec du scotch. Elle fait beaucoup rire ses camarades de classe. Puis, elle se remit à dessiner. Un monde de contes de fées apparut sur sa feuille de papier. Il nous faut plus de carton. Découpe des bandes de papier mousse et enveloppe les pièces avec. Snap, snap! Peins les boîtes et des plaquettes de pilules en rose. On a une vraie palette de maquillage séparée en plusieurs compartiments. Il y a tellement de couleurs! Et un miroir scintille de l'autre côté. Une petite brosse se transforme en mascara. Et on a aussi un beau rouge à lèvres fait main. Une trousse à maquillage, c'est un cadeau parfait pour une ado. Gothel a écouté les conseils de Lalilou et a décidé de faire quelque chose de gentil pour la princesse. Réponse, c'est pour toi. Waouh, maman, t'es géniale! Une trousse à maquillage, waouh! Ok, je vais aller maquiller. Réponse s'assied devant la coiffeuse et commença à appliquer du rouge à lèvres, du fard à paupières et du mascara. Son premier maquillage était un peu trop voyant. En voyant les expériences de Réponse, Gothel était choquée. Oh. Ma chérie, laisse-moi te montrer comment te maquiller. Gothel retira son maquillage et aida Réponse à se maquiller. Quelle belle fille! Waouh, c'est beaucoup mieux! Yay! Fais deux anneaux fins avec du fil de fer fin. Snap! Ils sont joints maintenant. Un dessin lumineux du soleil est apparu sur du papier. Enroule-le autour du cadre. Regarde, il y en a tout plein! Flynn Rider arriva sur le rivage dans l'obscurité de la nuit. Où es-tu, ma bien-aimée? Chérie, je suis là! Hello. Il donna sa main à la princesse. Elle sauta dans le bateau et le couple continua à avancer sur l'eau ensemble. Au fait, j'ai un cadeau pour toi. Prends-le! Oh, une lanterne! C'est tellement romantique! Ils se tenaient la main et l'envoyèrent dans le ciel. Attends, quoi? Des centaines de lanternes se sont envolées dans le ciel. Le couple d'amoureux resta là, à profiter de la magie. Une feuille avec des impressions s'est séparée en plusieurs pages. Assemble-les. Colle les feuilles ensemble et insère-les dans une couverture de livre. La couverture était décorée du portrait de Réponse dans un cadre métallique. Et l'album comporte plein de photos de Réponse. Un jour, alors que Réponse était encore ado, elle trouva un photomaton. Je vais prendre une photo. Bien des années plus tard, la vieille Réponse retrouva le même photomaton. Et maintenant, grand-mère a des photos d'elle comme celles qu'elle avait prises plus jeune. Après être rentrée à la maison, Réponse mit les photos dans l'album, à côté des photos de sa jeunesse. Quel beau souvenir!
Il y a un berceau avec un bébé adorable caché dans le jardin fleuri de Lally Town. On va faire sa connaissance. Mets-lui un body violet. Sa coiffure est décorée d'un cristal violet. Qui est-ce qui arrive à toute allure sur un traîneau? La fillette blonde ressemble beaucoup à Elsa. Oh, on entend le tintement des cristaux. Les filles sont trop mignonnes. Réponse et sa fille se promenaient au parc. On devrait se détendre un peu et faire un pique-nique. Je vois un super endroit là-bas. Elle s'assire sur une couverture. Et tout à coup, il se mit à neiger sur Réponse. Est-ce que c'est mon imagination ou quoi? Qu'est-ce que c'est? De la neige en plein été? Oh, désolée. Comme d'hab. On devrait faire connaissance. Je m'appelle Elsa. Hey. Et moi, c'est Réponse. Waouh, nos enfants ont le même âge. Les mamans décidèrent de passer du temps ensemble. Leurs filles devinrent vite copines elles aussi. C'est génial qu'on soit rencontrées. C'est l'heure de la pause goûter. Cet emballage sera parfait pour faire une caisse de transport. Remplis le récipient de sciure de bois. Fais des trous pour que l'air puisse circuler. Ajoute une poignée. Pascal habite ici. Et qui est son voisin? L'animal d'Elsa est assis dans sa caisse de transport remplie de neige. Ces deux-là vont certainement beaucoup s'amuser ensemble. La clinique vétérinaire de Lally Town attend des patients. Elsa et son animal sont arrivés tôt le matin. Bonjour, j'ai amené mon bébé pour une visite de contrôle. Voyons voir. Oh, quelle belle petite salamandre. Réponse arriva juste après. Bonjour, on est venu pour un examen. Okay. Bien, bien, bien. On a un caméléon en très bonne santé ici. Alors que le docteur était distrait, les animaux échangèrent de place. Vos animaux vont très bien. Vous pouvez y aller. Thank you. Les princesses quittèrent la clinique. Mais ce n'est qu'une fois à la maison qu'elles remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Oh non, où est mon Pascal? Oh, Bruni a disparu. Ça doit être une erreur. Oh, non. Les deux filles retournèrent à la clinique. Le destin nous réunit à nouveau, on dirait. Je me suis inquiétée, mais t'as un animal incroyable. Oh, merci. Pascal est trop mignon lui aussi. Prends du papier mousse. Un peu de magie, et on a maintenant un plateau de jeu. Utilise des paillettes. Waouh, les boutons épellent la, li, lou. On a des pions colorés. Mets le jeu de société dans un sac. Elsa, Réponse et leurs enfants se sont rendus au café. Les enfants vont pouvoir s'amuser, et nous, on pourra discuter aussi longtemps qu'on le souhaite. J'adore ce plan. Okay. Tu crois que nos mamans vont nous laisser aller sur les balançoires? On va tester. Miaou! Le chaton aussi voulait faire des bêtises. Maman, on va sur la balançoire, ok? Bien sûr, amusez-vous. Bye. Mais les filles faisaient trop de bruit. Elsa a dû trouver un autre plan. Hé, les filles, vous voulez jouer à un jeu? Waouh, quel jeu! Trop cool! Vous allez adorer. Voici les règles. Tout le monde était assis à table. Les mamans leur montrèrent comment jouer. Les filles étaient absorbées par le jeu. Le chat aussi était intéressé. Il sauta directement sur le plateau. Miaou! Il est curieux celui-là! Les copines passèrent un super moment. Réponse et sa fille s'étaient rendues au parc. Maman, moi aussi je veux faire de la balançoire. Elle est prise, tu le vois, non? Et mais si elle reste là toute la journée? Je crois savoir quoi faire. Réponse à un rouleau mystérieux dans les mains. On va regarder ça de plus près. C'est un plan de balançoire. Peint des bâtons de bois en rose. Décorlé avec du lierre et des boutons de rose. On va vérifier le plan. C'est exactement la même. Maman, il n'y a pas de siège? Je vais jeter ma tresse par-dessus. Assieds-toi. Réponse balança son bébé sur ses cheveux. Wouhou, c'est trop marrant! Tout le monde était content. Prends une feuille de papier mousse pailleté. Découpe deux triangles. Colle-les sur une base. Fabrique une échelle solide avec des bâtons en bois.
peint les marches en bleu. Fabrique des poignées arquées avec un cure-pipe. Ajoute des bords métalliques sur le toboggan. Les enfants vont adorer ce nouveau jeu. Émilie et son chat se promenaient. Ma chérie, aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait de la magie. Un traîneau et un tas de glace étaient là. On va pouvoir faire un merveilleux toboggan pour le bébé avec. Elsa fit des gestes magiques. Oh, waouh! Wouhou, génial! Elle alla tout de suite le tester. Je m'envole! Le chat aussi avait décidé de descendre le toboggan. Les bébés riaient et s'amusaient énormément. Ah, la magie a opéré! Découpe la silhouette d'une tour. Colorie-la avec des feutres. Ça rend super! Des fils acryliques serviront pour faire des cheveux longs. Et notre réponse fit tomber ses cheveux par la fenêtre. Rose jouait dans sa chambre. Sa maman lui avait offert un merveilleux coloriage mural tout neuf. Les crayons au boulot! Elle se mit à colorier la tour. Oh waouh, c'est trop beau! Maintenant, il faut lui faire une tresse. Oh non, ça marche pas, j'ai tout emmêlé! T'inquiète pas, je vais t'apprendre. Regarde, je suis une pro pour faire ça! Voilà, c'est fait! Maintenant, entraîne-toi. Okay. Le bébé réussit à tresser parfaitement les cheveux de sa maman. On ajoute un nœud et on les décore avec des fleurs. Waouh! J'adore! Tu vois, c'est pas difficile! On peut utiliser une bouteille en plastique avec un bouchon pour faire un vase. Efface les inscriptions. Décore le vase avec des brochettes en plastique. Et de la peinture pour qu'il ait l'air gelé. Olaf se fraya un chemin à travers le blizzard. Le blizzard avait même recouvert le vase de neige. Ses fleurs rentrent trop bien dans ce vase de glace. La petite fille faisait du cheval à bascule. Olaf passait par là. Hey. Tu veux jouer avec moi? Oh ouais! On va prendre le goûter avec mon ours. Oh, peut-être la prochaine fois. On va faire des dessins à paillettes alors. J'ai pas envie. T'aimes rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé, un skate. T'inquiète, je vais de suite te montrer comment on fait. À toi de jouer. Olaf ne tenait pas vraiment sur le skate. La petite fille le poussa. Il accéléra et tomba par terre. Oh, le vase est cassé. Mais maman m'a appris à faire de la magie. Waouh, le vase a l'air comme neuf. Les amis, c'est quoi ce bruit? Désolée, j'ai cassé le vase. Mais Émilie l'a réparé. Bon travail. Coupe des pailles. Wouche, des cercles de liège se sont envolés. Fixe des pieds dessus. Forme des micros au bout. Peins un pied en bleu. Et l'autre en violet. Décore-en un avec de la glace. Et l'autre avec de la verdure et des fleurs. Émilie et Rose sont curieuses de savoir d'où vient tout ce bruit. C'est Olaf qui répète. Oh, sole mio! Trop cool! On peut essayer? Dans ce cas, je vais chercher un autre micro. Attendez une seconde. Tenez, moi, je vais tenir vos glaces. Allez les filles! Les filles chantaient. Elles sont incroyables! Les mamans étaient surprises par ce mini-spectacle. Wow! Bravo, bravo! Nos filles ont tellement de talent! Peins une petite salamandre en violet. Ajoute des yeux rigolos. Waouh! Il y a de jolies fleurs sur son dos. Recouvre une boîte de plastique transparent. Quel animal adorable! Mais il est à qui, cet animal? Maman faisait une pause. Et Rose jouait avec sa poupée préférée. Tiens, tiens, Pascal! On a des invités! Je vais aller voir qui est là. Wouhou! Une livraison! C'est qui cette adorable créature dans la boîte? Réponse avait offert un cadeau à ses copines. Wow! Elle est trop jolie! Viens, je te montre la maison. Et le caméléon ne s'ennuiera plus. Cette nouvelle Miss avait gagné son cœur. Allez les petits gars, faites connaissance! Quelle belle surprise! Fabrique un petit caméléon en pâte à modeler. Une queue recourbée,
puis une tête et des pattes. Bam! On a les yeux. Couvre-le de vernis. Assemble une boîte pailletée. Notre bébé sera bien installé là-dedans. Émilie lisait des contes de fées concernant sa maman à son meilleur spectateur, sa salamandre. Et ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Chérie, t'as un colis de la part de Réponse. Waouh, c'est quoi? Oh, on dirait que Bruni va avoir un nouveau copain. Elle fit faire un tour de poussette au caméléon. Dodo, l'enfant d'eau. On va manger un donut maintenant. Pour toi et toi. Maintenant, on va lire un conte de fées. Le bébé était tellement absorbé par son livre qu'elle finit par s'assoupir. Ses animaux de compagnie adorés étaient juste là. C'est pas merveilleux? Bonne nuit!